La Coupe d'Europe de rugby sur France 3 avec Peugeot, partenaire officiel. Rentrez au cœur de l'action avec e-business d'IBM. C'est au lycée que ça commence à dégénérer, à l'entrée en 6e. Cette petite chanson qui s'appelait Crève Salope a eu un franc succès dans les amphis de la Sorbonne occupée. Mon papa n'a pas beaucoup apprécié là. Et voilà. Tout n'est pas dit dans les chansons, mais le sentiment, je le dis mieux en chanson qu'autrement. Compliqué, mais c'est ma muse, c'est l'enfant la plus proche de moi. Caramel, et je me suis réfugié dans un resto où j'ai commencé à écluser. C'est l'histoire d'un mec de 50 balais qui est un peu revenu de tout. Renard est un sacré soifard. Rouge, noir, frites et saucissons pour fêter les 30 glorieuses de Renault. Demain à 20h55 sur France 3. Je n'avais pas vu depuis 20 ans ces images. J'avais un peu peur, mais ça va, c'est réglo. Le plaisir. La saveur. Avec les illimités ADSL de Club Internet, le haut débit est à partir de 25€ par mois. Modem gratuit et frais de mise en service offerts. Avec le Internet, tout le monde a droit à la vitesse. Appelez tout de suite le 3204. Alors, ton abonnement à Canal Satellite, t'en es content? Ça, avec Sport Plus, c'est vraiment génial! Canal Satellite a sélectionné pour vous en exclusivité Satellite Sport Plus, la nouvelle chaîne de ceux qui veulent plus de sport. Vivez chaque semaine en direct et en intégralité les meilleurs matchs espagnols, anglais, italiens, allemands. Retrouvez les Master Series de tennis en direct, mais aussi le meilleur du basket français et NBA, et les championnats du monde de golf. Sport Plus, c'est l'accès à plus de 60 disciplines. Canal Satellite, le meilleur du numérique. Spectaculaire, 2 saisons Foot Plus offertes. Passez à la page 94, vers le milieu. Regardez les chiffres du 4e trimestre pour l'Amérique latine. Quoi ? Nous approfondirons cela plus tard. Le réseau est en panne. Je dois y aller. J'aimerais pas faire son boulot. Tu crois que ce prétexte va marcher encore longtemps ? J'espère jusqu'à la fin d'été. Avec IBM et Linux, votre réseau est pratiquement infaillible. Tout le monde devrait le savoir. Grains de vie écoulés, particules joyeuses d'avenir endormis. Temps, garde l'espoir, d'où partent les rêves, où voyagent les désirs, où attendent les espérances. Temps festina. 100 ans de temps festina. Sensotech, 9 réglages pour le confort unique d'un rasage sur mesure. Nouveau Sensotech de Filichev, confort personnalisable. Là, regarde, il est là. Mais c'est pas lui. Si, c'est lui. T'imagines que ce mec-là, il était prof de maths. Oh, dis donc, c'est pas marrant. Franchement, je préfère avoir été réincarné en paresseux plutôt qu'en partenaire comme Monsieur Charpentier. À force de faire les interros surprises, de punir tout le monde, ben voilà. Avec Nutella, ils vont refaire le monde. Ben moi, j'irai m'occuper des baleines. Moi, je replanterai tous les arbres de toutes les forêts. Ah ouais, génial. Et moi, je nettoierai toute la mer. Et moi, les poissons. Ben, il y a du boulot. Et pour refaire le monde, il leur faut un petit déjeuner idéal. 2 tartines de Nutella, c'est le bienfait des noisettes. Et avec 1 bol de lait et 1 jus d'orange, c'est tout à fait équilibré pour un petit déjeuner idéal. Moi, j'irai... J'irai ranger mes jouets. Nutella, chaque jour, c'est du bonheur à tartiner.
Ronde Synchro est le premier rasoir dont la tête bouge latéralement pour couper plus de poils. Jamais Braun ne vous a offert un rasage aussi précis. Et grâce à son chargeur nettoyant, vous avez la sensation d'utiliser un rasoir neuf chaque jour. Braun, conçu pour faire la différence. C'est quoi ça? Un objet du passé fait ressurgir l'histoire. Son Antoine, il les a prêtés à maman. T'inquiète pas, je te jure qu'il leur arrivera rien. L'éléphant d'Antoine, t'as fait ça à ta fille. Oh, elle le sait. Mais non, c'est pas la peine de l'affoler. C'est signature de mon père. On aurait besoin pour samedi. Je vais fermer. Parkinson, ils m'ont dit. T'es foutu. Passer le flambeau. À qui? Votre fils. Il sait souffler. Il n'y a qu'un maître verrier ici, moi. Alors vous préférez fermer, c'est ça? Anéantir votre patrimoine, votre passé, votre avenir. C'est moi le maître ici. J'ai tous les droits. Quel drame secret rend le père si amer? Louis la brocante recolle les morceaux d'une famille brisée. Mardi à 20h55 sur France 3. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue en ce dimanche après-midi à la patinoire d'Asnières dans les Hauts-de-Seine où les meilleurs patineurs français vous donnent rendez-vous pour un double événement puisque nous allons successivement nous intéresser au programme libre des messieurs et cela sera suivi du gala, ce gala que vous êtes si nombreux à toujours apprécier. Alors comme nous vous avons réservé une petite innovation technique, je crois que juste en bord de piste, nous allons retrouver Annick avec son élève Frédéric Dambier quelques instants avant qu'il ne pénètre sur la glace. Voilà, très bien, très très bien, tu es parfait. Allez, reste calme, précis et déterminé. C'est bien Fred. Frédéric Dambier qui va jouer gros dans les 4 minutes 30 qui vont suivre, puisque si vous aviez été des nôtres hier, vous avez vu que le jeune Français a chuté hélas deux fois dans son programme court. Reste qu'il est placé en troisième position après ce dit programme court et que s'il parvenait à remporter le programme libre, eh bien il remporterait par là même la compétition. 4 minutes 30 en guise de rachat pour Frédéric Dambier. Cela commence bien pour Dambier. Allez. Grand Aigle, Fantina Boer. Thank you.
Eric Lelouch, excellent. Difficulté malheureusement avec l'Axel. Rydberger en revanche passe bien. Dambier qui alterne le bon et le moins bon, mais le courage et l'obstination sont là. Allez. Excellent. Il reste environ 20 secondes à Dambier pour terminer un programme qui de toute façon sera meilleur que son programme court. Et voici donc que Dambier en termine un programme qui a comporté des hauts et des bas, comme Jean-Louis Machu à la tête des moyens de France 3 Lyon va certainement pouvoir nous le montrer sur ses ralentis. Ici c'est l'Axel qui part et qui passe bien. Oui, ça c'est le fameux saut réussi en tout début de chorégraphie, la combinaison initiale. Malheureusement, en partie intermédiaire de chorégraphie, il y a eu un voire deux tentatives de triple saut qui se sont terminées en double voire simple rotation. Ce que va certainement pouvoir nous confirmer Annick Dumont, son entraîneur, que l'on va retrouver dans quelques instants aux côtés de Frédéric sur la zone Kessenkram. Voici Annick sur la gauche, Frédéric au centre et donc le fidèle Pierre Trente sur la droite. Annick, je ne sais pas si vous nous recevez. Eh bien, nous vous laissons intervenir aux côtés de votre élève, bien sûr. Écoutez, c'est un programme avec un contenu technique intéressant, mais ce n'est pas le maximum de ce que peut faire techniquement Frédéric, puisque c'est un patineur qui peut faire deux quadruples différents. Donc effectivement, c'est un petit peu décevant qu'il n'y ait pas au moins un quadruple dans ce programme, puisque le quadruple est tout de même à la base l'élément indispensable au programme masculin d'un championnat d'Europe et du monde, bien sûr. Alors c'est un peu dommage parce qu'il sait bien les faire. Mais le match reste maintenant ouvert puisque, bien sûr, les quatre patineurs qui vont suivre vont déterminer le classement. Donc ne nous quittez pas, c'est maintenant. Et
Les notes artistiques qui montent par rapport aux notes techniques, ce que nous pouvions pressentir. Dambier qui donc s'empare de la tête de la compétition. Même si cela risque d'être provisoire, car se profile l'ombre ici de celui, enfin d'un des deux qui sera son adversaire le plus direct. Nous avons brièvement aperçu Brian Joubert, alors que Stanick Jeannette se présente à son tour sur la glace des Hauts-de-Seine. Stanick Jeannette, donc vainqueur du programme court hier, et donc favori, on va dire co-favori avec Joubert pour l'obtention du titre. Die Teams stehen unter Zeitdruck.